Bonjour à tous, bonjour à tous les amis, c'est Aventureman toujours prêt qui vous présente un tout nouvel épisode de notre aventure sur les Sims 2, le disque additionnel, les bons voyages. Je viens de terminer notre animalerie personnalisée qui va appartenir à la famille Cookies. Faut juste que le père se repose un petit peu les amis parce que j'ai joué un petit peu et en même temps je vais vous montrer une modification de la maison que j'ai faite parce que j'ai modifié, j'ai créé un étage parce que la chambre où est-ce qu'ils étaient les deux enfants, bah je me suis dit bah ils allaient être trop serrés. Et en même temps j'ai eu la grande surprise d'obtenir tout un truc pour la chambre des enfants. Alors ça m'a fait vraiment plaisir. Alors je laisse tourner le temps qu'ils se reposent. Donc ça, c'est la chambre d'Akim. J'ai changé de lit, je lui ai mis un beau miroir. Ah, je lui ai mis un truc. Et en plus, ce qui est génial, c'est que normalement, la moto, la voiture était par terre. Alors, j'ai la grande surprise que je pouvais mettre ça là-haut. Voilà. Ça, c'est une lampe. Lampe en mode fusée. J'ai même mis une petite poubelle. Une petite table de chevet avec une jolie carte dessus. Et son lit. Voilà. Et ensuite, à l'étage. Hop, voilà. J'ai fait une petite chambre pour la demoiselle. Voilà. Voilà. Donc pareil, hein, c'est exactement la même chose que pour Hakim, sauf que moi je lui ai mis une petite peluche. Et des papillons pour décorer. Et les lumières aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est moi qui ai ajouté les lumières. Voilà. Et j'ai créé et aussi un petit coin pour avoir un petit animal de compagnie, un chat. Voilà. On donnera un joli petit animal à la famille Cookies. Enfin, c'est pour les enfants parce qu'ils me demandent qu'ils veulent obtenir un animal. Alors voilà. Bon, est-ce qu'il sait se reposer le père? Nous avons du travail dans toute cette histoire. Oui, c'est bon. Alors, d'abord, il va faire la gentillesse après de se changer. Et ensuite... Alors, on va faire commerce. Alors, attends. Peut-être c'est pas dans le commerce, parce que commerce, normalement, il y a ouvert un commerce à domicile, ça veut dire ici. Alors, immobilier. Acheter terrain communautaire, voilà. Oh, moi aussi, je découvre, les amis, hein, parce que je n'ai pas totalement encore tout testé là-dessus. Donc, on va découvrir ensemble. C'est pour ça. Besoin un peu de repos. Oh, Mible, look up. Alors voilà, donc on va aller à mon team interne, animalerie Cookies. Ouf, quand même c'est cher ce que j'ai pris quand même. Voulez-vous acheter animal Ricoquet à la somme de 97 dollars? Ouais. Voilà. Voilà, Marc est maintenant propriétaire de l'animalerie. Voilà. Un exemplaire de son contrat est placé dans son inventaire. Voilà. Donc dans l'inventaire, ça là-dedans. Ici. Contrat. Alors normalement ça se met sur une table, j'aimerais bien la mettre quelque part pour éviter qu'on le casse. Alors, bon, on va se prendre une petite table de chevet, ce sera mignon, on va lui poser dessus. Alors, on va prendre un truc comme ça, voilà. Voilà, et on prend dans l'inventaire le contrat, voilà. Donc là maintenant on est propriétaire du truc. Il ne manquera plus maintenant de appeler un taxi. On va se rendre directement à l'animalerie. Ta 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 ta. J'adore le bruit du téléphone. Non non, il y va tout seul. Pour l'instant, les gamins, on va les laisser là. Bon.
Voilà, le taxi va passer nous prendre dans quelques instants. La maman a fini de récupérer. C'est bon. Ok. Tiens, il y a le journal par terre. Faudra le jeter. Après, la maman, elle a besoin d'aller prendre une bonne douche. Mais d'abord, il y a des trucs qu'il faut nettoyer. Alors, on va aller. Monde Cyberturn, animalerie. Cookies. Voilà. Et on y va. Allez, le taxi va nous déposer les amis. Et ensuite, on va passer un petit peu aux choses sérieuses. Comment j'ai gérer notre animalerie. Bon, il y a quand même pas mal de choses que j'ai pas encore découvert les amis, donc on va le découvrir. Alors un petit instant les amis, le temps qu'il arrive Marc, je vais récupérer la boîte de CD. Où est-ce qu'il y a les astuces dedans? Voilà, c'était pas très loin, c'était juste à côté. Alors, voilà, je prends le livre. Voilà, donc on y est. Donc on va baisser complètement les murs. Et voilà tout ce que j'ai fait. Alors, je vais consulter le livre. Alors, voyons voir. Alors, comment est-ce qu'on peut... Un tic à monde et trucs comme ça. Alors, comment on fait ça? Alors. Ça. Alors, je suis en train de chercher comment est-ce qu'on peut vendre des trucs dans l'animalerie. Tac. Il n'y a pas grand chose dans ce lit donc. Alors. Ah, j'ai trouvé peut-être. C'est peut-être c'est ce bouton là. Oh, c'est cher, oh. Ouais.
D'accord, donc ça c'était le... Donc ça j'ai compris. Ça semble un gros lot normal. Je vois. Ok. Donc ça en fait c'était au mode... c'était le mode à vendre. Ok, donc ça j'ai compris. Ensuite... La grosse caisse, ça sert pour voir ce qu'il y a. Donc là on n'a rien. Ça c'est les smoothies qu'on gagne. Ça c'est pour les employés. Voilà. Là c'est les bonus commerciaux. Bien. Bon, bah j'ai encore quelques soucis à voir là-dedans les amis. Bon. Au moins ce qui est sûr. Voyez. On a tous les chats et tout ça. On peut changer la race si on a envie pour les chats. Voilà. Ah voilà, j'ai compris. D'accord. Fixer le prix du modèle. Voilà. Si vous pouvez arrêter de regarder je ne sais quoi, ça m'arrangerait. Ah, je crois qu'avoir un petit peu compris comment ça fonctionne maintenant, les amis. Ils sont pas mignons ces petits trucs. Alors là on a bon marché. Mais bon. Mais faut être raisonnable. Voilà. On va mettre en mode raisonnable. Voilà. Raisonnable. Parfait. Ah, voilà un client. Alors, on va faire 25. Stop, stop. Ah, il y a une jeuse là qui apparaît. Voilà. Là, on gagne un petit peu. Voilà. Bon, c'est pas tout ça, mais faut que je voie pour les chiens. Pourquoi ils rigolent? Allez.
Les chiens apparaissent. Ah oh, d'accord, ok. Ah les amis, je crois avoir compris comment ça fonctionne. Bon, que voilà. Donc si on veut vendre quelque chose, il faut appuyer sur ce mode là et vous fixez votre prix. Mais faites attention, si vous passez dans le rouge, c'est pas bon. D'accord. Donc du coup, si vous voulez passer en mode rester dans le point vert, vous devez diriger votre gauche par là. Mais pour commencer, commencez par quelque chose de raisonnable. Hein. Voilà. Et ensuite, vous appuyez sur les petites, sur les objets que vous souhaitez vendre. Voilà, c'est une idée. Voilà, ça y est, je pense avoir compris comment ça fonctionne. Tiens, un autre client. Allez. Qu'est-ce qu'on peut lui demander? Engager du... Airbase demander... Non, plus... apprécier... Divertir... Non, pas chasser, qu'est-ce que je fais, moi? Discuter... Oh, on peut papoter, après tout. Voilà, belle, c'est bon. Voilà, D'accord, gros. Ceux qui ont la petite truc comme ça, ce sont ceux qui veulent acheter. Et là, il faut lui parler pour lui dire que c'est une vente simple. Voilà. Et je pense qu'il faut continuer juste à temps que la barre se remplisse pour pouvoir dire au client que c'est bon. Ah. Voilà, il a acheté. Voilà. Il a acheté. Et voilà. Alors, il a acheté un animal. Ouais. Première vente réussie, je dois dire. Voilà, j'ai gagné des points en plus avec lui. Mais il faut que je réussisse à convaincre cette fille parce qu'elle a refusé la vente. Voilà, acheté. Ah bah d'accord. Non, non, elle n'est pas intéressée, elle. Voilà, je ressors un autre. Allez, on va peut-être que le... Peut-être qu'il en... que Mathieu tu veut un autre chat. Parce que c'est une personne âgée. Voilà. Les personnes âgées, j'adore les animaux. Voilà. Il est convaincu. Bien, bien, bien. Allez. Faire passer les clients à la caisse. Allez. Pas tout ça, mais on doit aussi payer. Allez. J'arrive tout de suite. Namastad. The dish. Ouais. Il s'est pris le... Il aurait dû reculer. J'espère qu'il s'est pas fait mal. Félicitations, c'est le premier son. Si quelqu'un pour une marque, il a placé son inventaire pour recevoir la récompense. Cool. Et un petit diplôme. Ce truc-là. On va le mettre ici. Voilà. Oh, ça me fait penser, je pense qu'on n'a pas payé pour les colliers. Voilà.
qu'un animal, c'est un collier, quand même. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah visiblement, ça commence un petit peu à entrer en tête. Bien, 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 bien. Et bien, et bien, et bien, et bien. Non. Bon, bah la prochaine fois, vu qu'on a nos propres commerces, il va falloir qu'on essaye de voir si je peux aller avec la maman et les enfants aller chercher leur propre animal dans la propre animalerie de leur père. Ce serait bien si j'y arrive. Bref les amis, on va s'arrêter là, le temps de la vidéo est écoulé. Donc à gauche, j'en trouverai la playlist, à droite, on trouverai l'épisode-ci pendant 15 jours. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui les amis. Ciao, bye bye.